Alors, explique-nous un peu ce que tu prépares pour ces cyclistes. Alors, on va leur donner un petit sac, qu'on appelle ça une musette, où il y a essentiellement à manger dedans. Donc là, c'est bien détaillé, il y a des barres plus ou moins consistantes, avec aussi quelques gels et magnésium. Et puis, on met deux bidons, on met un bidon avec de l'énergie et un bidon avec de l'eau. D'ailleurs, Claudio Imo, là, qui va aller chercher les points de ce sprint intermédiaire. C'est des maillots qui sont importants, c'est une grosse publicité. On a vu hier Simon Pello sollicité par absolument tous les médias. C'est très bien pour le coureur, mais c'est également très bien pour Swiss Cycling et les sponsors de Swiss Cycling qui justifient leur présence ici. Claudio Imo en quatrième position. Voilà l'ardoisier qui vient informer les six coureurs de leur avantage. Comme en 2017 à Bulle, Stéphane Kuhn qui s'impose au panache en solitaire en ayant pris la bonne échappée et en ayant mis tout le monde d'accord. Super performance aujourd'hui, bravo. À quel moment est-ce que tu as décidé d'attaquer? J'avais déjà dans la tête avant le départ parce que ouais, c'est peut-être pas normal, mais ces conditions-là avec la pluie, du vent, moi ça me dérange pas. Et... c'est pour les durs quoi, et toi t'es un dur. Ouais, c'est pour les guerriers. Bliblablo, multimédia, multiplaisir.